vite. Ou Monsieur Marc Guillaume. Mais là, t'as une bonne goutte quand même. Enfin, il a raison. Il est vraiment discret. Avant de prendre une petite pause pour aller manger après une grosse journée d'impro, merci d'être là, merci aux deux équipes. On va prendre un match de feu, les deux équipes communion et bon match! Bon match, man! On va commencer ça avec une improvisation de nature comparée, ayant comme thème le nature prudente. Le nature prudente. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes. Caucus, 30 secondes. Oh, la prudence! La qualité est importante! Oh, oh, nos jours en réveil! Ils sont tous à premier compteur! Surtout, surtout! La musique est un peu encore une fille, mais on est de la qualité, s'il vous plaît! Capitaine, s'il vous plaît. Vous serez la rousse, Monsieur Dagenet, pour ce soir. Et vous serez la prune. Prune! Alors, la semaine, vous avez 3 minutes. Le nature prudente, s'il vous plaît, au jeu. J'ai rangé les cintres en faveur de couleur, maman. Génial! J'aurais pillé ton cartignan. Que tu vas pouvoir le mettre à soir. Ça serait beau ton chandail, hein? Oui, ça serait beau. Peut-être mieux que si j'étais sans chandail. Pourquoi tu es bizarre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, mon petit minou? Tu me connais tellement, maman. Qu'est-ce qui se passe, mon petit coucou? Je vais arrêter, mais je peux plus arrêter. Je te consomme, là. Non. Si ça finit pas. Oh, mais là, tu vois là ce qui se passe, hein? Parce que mon émission commence, puis après, je suis perdue, là. Je l'écoute plus. Marche. Assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Dieu, c'est bien sérieux, ta affaire-là! Ben, je viens d'avoir 41 ans. Oui, j'ai découvert Internet. Je suis allé sur des sites pour piquer des verres. Je fréquente maintenant une fille. Elle s'appelle Jute. Jute Bim 27. Jute va venir me chercher ce soir. Ding dong! C'est Jute Bin! Jute Bin! Bonjour, Madame 27! J'ai envie de t'embrasser partout, c'est la merde. Embrassez-moi d'abord! Bonjour, Madame 27! Moi, c'est Madame 32. C'est pas Madame 27, c'est Jute Bin! Jute Bin! Maman, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît, en aparté quelques secondes? Oui, c'est à l'autre côté de la porte. Maman, je vais être ici si tu veux me parler. J'aimerais ça être seule avec la personne que j'ai embrassée, il y a peut-être 4-5 secondes. Jute Bin! Ah, merci! Sur Internet, elle rayonnait, maman, si tu savais. Oui, mais cette madame-là, c'est qui, elle? Justement, c'est ça l'affaire. Je sais pas c'est qui. Puis là, il est temps que je m'en aille, maman. C'est un petit peu trop possessif, t'es comme une parabole de verre, tu sais, sur la... J'arrête d'en parler. J'arrête de parler. Jute Bin! Je suis tellement content, on va partir ensemble. Hein? Déjà? Sauve-moi de ma mère! Pardon, merci beaucoup, Madame 27. Oh, 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 revers! Oh, okay. Vite! Jute Bin? Fabienne? Comment? Il est parti avec une Jute Bin. Je l'ai croisé dans la rue. Tu vas le laisser faire? Je sais pas! Il t'appelle majeur, il a 41 ans! Je sais! Il va pogner des maladies, elle va tomber enceinte! Tu peux pas le laisser, tu le mets ingrate! Où ça? Comme mon Gérard, il a 52, il est à la maison, puis il est en train de piquer des bonhommes!
pour décoller. Mon amour! Oh, j'ai oublié mes cinq mains. Tu sortiras pas d'ici. Je suis faite de verre. Je vais pas te dire avant, mais je vais te préparer à ce moment-là. Tu sortiras pas de la maison avant d'avoir connu la vie que j'ai enseignée. Marco! Marco, viens ici! Aujourd'hui, je vous ai préparé une activité. On s'en va chasser le lion sauvage. OK? J'ai pris tes maracas. Tu vas devenir un homme, Marco. Où j'ai mon fusil. J'ai chassé le lion. Oui, chassé le lion. Je t'amène que t'as peur de tout. C'est fini, ça. Tu vas en avoir une femme un jour pour ça. Faut que tu sois un homme un vrai comme moi! D'accord, je vais mettre mes équipements de sécurité. Chlip, 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 chlip. C'est quoi tes équipements de sécurité? Ben, je vais aller chasser le lion pour se mettre en chasse! Mets-toi en chasse! Je sais que t'es gêné! Mets-toi en chasse! D'accord, d'accord. Je te suis, mon père! En bas dans l'avion! L'Afrique! Il va y avoir des lions. Par contre, il y en a un là-bas. Ouais, il y en a un là-bas. Approche-le avec tes maracas, je te couvre. Je vais te mettre la crème solaire. Mes maracas sont bien trop glissables. Comment Marco fait un homme de toi? Dangereux. Claque le lion. Le lion va mal. Claque le lion. Ça. Hey, je suis devenu un homme malgré toutes mes craintes. J'ai fucking tué un lion à coups de maracas! Mon fils en est un homme! Tout un gun, t'as rien fait pour moi! T'es seul? C'est un test, Marco! T'es vraiment un père sans cœur! Mais non, mais si tu serais mort, j'aurais fait un autre fils, c'est pas grave! Je suis fier de toi, mon fils! Maintenant, tu peux avoir mon fusil! Oh non! C'est une troupe d'Afrique! Ils vont venir nous attaquer! Marco, défends-moi, là, je commence à avoir peur. T'es là des maracas. Si j'ai fait un homme de moi avec des maracas, t'es capable de faire un homme de toi. Vas-y. Ouf, ta flaque à part. Tenez, il y a des maracas, ça pourrait être dangereux. Ouf, ta mon fils, t'as tout un passage. Je m'excuse, ok, je suis pas si tough que ça. J'ai peur des messieurs noirs. Papa, ils sont pareils comme toi, à l'intérieur. Fais-le à coup de maracas! Bou, 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 bou! Marco, retourne en Amérique. J'ai découvert une nouvelle famille. Je suis maintenant Mamadou Papaoué. C'est ça, hein? Donne-moi mes maracas, je la pas chez nous. Je t'aime, mon fils! La procédure de vote pour le match, ça va être le noir pour la Sprite, ça va être le blanc pour la liste. J'ai pas fait encore la fin de semaine, mais tu vois, quand j'arbitre, ça m'arrive de temps en temps de donner des mentions spéciales. J'ai pas fait encore la fin de semaine. Là, j'ai pas le choix de le faire. Mais je vais donner une mention spéciale pour le prénom Jude B. J'ai longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Merci Jude B. Merci beaucoup. Mention spéciale à Jude B. Très bien. Voilà. Fallait que je. Oh, j'en reviens pas que j'ai appelé mon fils Antoine. Quel état. Voilà. La prochaine improvisation. Une improvisation de nature mixte. Le thème sera dans le fond de tous les papiers. Dans le fond de tous les papiers. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Ça va durer 3 minutes 30, caucus, 30 secondes.
papier, on vous rappelle que c'est le temps de faire vos impôts. Dans le fond de tous les papiers, 3 minutes 30, les deux équipes, s'il vous plaît, au jeu. Tu me jures que tu l'as pas vu? Je te dis. Une feuille de ta main, là. Ben, je cherche dans ma machine à écrire, là, je le vois toujours pas. Mais là, tu regardes ton ordi, là. T'as pas le temps de regarder les feuilles, là. T'as bien trop bien, donc tu m'excuses. Non. Oh! J'ai pas trouvé la part que je voulais, mais j'ai trouvé la carte que je t'avais offerte. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans le recyclage? C'est quand même drôle. Je voulais sans doute tomber dessus par hasard pour remémorer nos souvenirs ensemble. Ah, tu voulais qu'on remémore le je t'aime, là, ici, là? Ben, c'est fun. Super! Continue de chercher! Chérie! Quoi? T'aurais-tu quelque chose à me dire? Tu passes tes journées à l'ordinateur, tu me parles pas. Puis j'ai essayé de chercher un papier gros de main pendant 2 ans dans ton bureau. Tu m'as même pas adressé la parole. Là, tu comprends pas. J'essaie d'écrire des histoires. C'est mon métier. OK? Faut que ces histoires-là soient bonnes. Mais oui, mais t'as déjà écrit un livre. T'attends juste la bonne journée pour le sortir. Vas-tu le sortir, un moment donné? Wow. J'y avais jamais pensé. Oh! Fais confiance en toi un peu. Non, je fais confiance en nous. On forme une bonne équipe. J'écris un livre. Non, mais... Il y a du monde qui a besoin de manger. Pour manger, ben, il faut payer. Puis ça, ben, il y a du monde comme toi qui se lève à les matins tous les jours, valise à la main. Il faut pas de valise, mais au moins, ça fait ça. Mais moi, ça j'en ai vraiment une valise pour aller travailler. Mais ça a du sens. Fait que pour venir à mon histoire, je l'ai trouvé bonne. Ben, j'ai vu en diagonale. Puis la chute était très bonne. Pourquoi pensez-vous que les éditions Boréales devraient éditer ce livre-là, monsieur? Je vais être honnête, ma passion pour les dragons a commencé depuis que je suis jeune. Ouais, j'ai bien aimé le passage où le dragon faisait une recette de sucre à graines. Je trouvais que ça amenait une espèce de côté rural. Ça nous ramène à nos sources, mais c'est très oriental. Ben, ça, c'est franchement inspiré de ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle aussi, est orientale. Orientale de chute. Ben, je sais pas, là, je suis un peu craquée, mais ça vous tente-tu d'être le porte-parole du salon du livre? Ça me fait plaisir! J'attendais cet honneur-là! C'est sûr, Yann Lafrenière, il vient de choquer elle! Laisse-le! J'aurais pas à y croire, mon amour! Fuck Tristan de merde! Bon, ben allez-y, hein, les clés de la liberté, hein! YOLO! 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 On fait content! Qui, madame? Pousse sa femme, ok? Tu fais sa sortez de mon bureau! Oh, là, ça va! La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème « C'est la faute du Christ de Larouche wow. ». Catégorie « À la manière d'une dramatique Fabienne Larouche ». Nombre de joueurs illimité, 4 minutes 30, donc on s'inspire de 30 du leadership. Chris, dans le sens de Chris. 30 secondes.
Ah, Fabienne. Fais tout. Fais mon ménage, les gens. Alors, la faute du de la rouge pour 4 minutes 30. Au jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, t'es dans mon bureau, c'est moi, la psychologue de l'école. Ben oui, c'est ça, je veux savoir pourquoi je te cite. Ben moi, je veux savoir pourquoi t'as abusé du jeune Tadros. Hein? Oui. Il s'est laissé faire! Il me l'a demandé! Est-ce que tu te rends compte qu'il a à peu près 3 ans de moins que toi? Il est chétif, il souffre d'une maladie, il est autiste, et toi t'en as profité pendant que vous étiez aux toilettes ensemble. J'ai tout su, Jérémy. Vous avez des caméras dans les toilettes? Vous avez des sautés mentales? C'est pour les élèves. Hé! T'allais me toucher l'épaule? Enlève tes grosses pattes sales de là. Hey, t'es comme brainwashé. Qui c'est qui régit cette école-là de fou, mon gars? C'est le directeur, M. Larouche. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Gros débile, tu vois pas que t'es un zombie vivant? T'es comme brainwashé. À l'aide, M. Larouche, à l'aide, à mon bureau. Je suis là. Votre technique est très appréciée dans les vols rentiers, mademoiselle. Oui. On a entendu parler de votre cas, le petit Jake. On est très déçus de votre attitude. Très déçus. Où est-ce que vous en êtes dans son cas? Eh bien, je tentais un rapprochement physique, là, mais ça a été violemment repoussé. Hey, j'aime ça. Ça m'a violenté l'épaule. Oh, toi? Hey, j'ai failli casser les deux calculs. Je pense que ce serait nécessaire de prendre en considération ce que toi t'as fait dans les toilettes avec les personnes. Mais je pense qu'on devrait appeler le petit Tadros. On va l'appeler le petit traumatisé. Le trop-trop. Tadros, je vais rentrer. Oh, si. Faut vaincre un peu de mort. C'est rien passé des toilettes ici, Tadros. Une amie t'a dénoncé. Je vous laisse terminer votre bon travail. J'apprécie vraiment ce que vous faites, Maloué. Je vais être dans le stationnement, moi, ce matin. Non, t'as compris? Ils sont tous liés contre nous autres, tu comprends pas? Faut sortir d'ici. C'est une vraie maison de fous, mon gars! Une maison de fous! Comme un souci aussi. Ben là, les garçons, on va parler de vos problèmes. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous preniez un petit peu de distance. Je capote! Il m'a touché. Bon, vous l'avez touché. Vous êtes visiblement anorexique, drogué. Vos parents sont divorcés. Vous avez totalement le profil pour être un violenteur. C'est vrai que je suis un violenteur. Je me sens violenté de tous les bords de mon côté. Vous mettez des caméras partout dans les toilettes! Hein? Eh oui, notre vie privée! Hein, Big Brother? Madame le psychologue, madame le psychologue! Oui. Il y a le feu dans l'école! Monsieur Larouche, il est bien fou! Il y avait quelqu'un qui avait pris sa place de stationnement! Oh mon Dieu, non! Pas sa place de stationnement! Monsieur Larouche, non! Qu'est-ce que vous avez fait là? Je m'immole! Non! Non! Mais là, les pompiers, ils ont éteint l'école, on va toaster. Non, brûlez. Ah, je crois.
prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée ayant comme thème un péché de trop. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 1 minute 30, caucus 30 secondes. Péché du feedback. Il n'y a plus de musique, donc on va chanter. Alors, on est rendu à la liste de décider. C'est qui a décidé en premier? C'est eux, c'est à vous. Donc. Alors, je pense qu'on va regarder ce que vous avez en priorité. Parfait. Donc, vous avez 1 minute 30 pour nous jouer un péché de trop. La liste. Oui, mon garçon. Vous savez, monsieur, j'ai plus vraiment l'habitude de venir ici. Depuis quelques années, j'ai relâché ma foi quelque peu. Allez-y, confessez-vous. Jésus vous pardonnera. Eh bien, lors de ma dernière visite, allez-y, n'ayez pas peur. J'avais parlé de mes péchés, bien, ça a recommencé. Non. Mais cette fois-ci, c'était une fois de trop, je pense que je me suis mis dans l'embarras. Vous ne dites pas que vous avez recommencé? Oui. J'ai vraiment pas été capable de résister à la tentation. Jésus ne pourra pas vous pardonner infiniment. Mais pourtant, on me dit que Jésus pardonne tout et toujours. Mais pas quand on mange le dernier morceau de pain au restaurant. Vous savez, je suis curé. Ici, Jésus. La dernière bouchée de pain est inconcevable. J'ai une réputation à garder. Je ne pourrai vous pardonner éternellement. Je vous bénis par ma foi. Mais où? Qu'en est-il de votre bonheur et de votre pardon infini? Je me suis fait crucifier. J'en ai pas de bonheur. Je ne fais que le partager et le souhaiter aux autres. C'est ça la religion. Jésus-Christ, je me chargerai de le punir moi-même. Beau travail. Sortez du confessionnal sans l'ingrat. Promenons. Je vais vous clouer sur le mur! Non! Yeah! Bon, la Sprite, vous avez une minute trente, un péché de trop, s'il vous plaît, au jeu. Et les baklavas, pour terminer. Oh, je me trompe toujours de chaise. Ah, donc, où on en était? Ah oui, qui a fait pire? Ben, c'est sûr que la foi ou... Merci. La fois où je me suis mis tout nu au glissade d'eau pis que j'ai fait semblant de sucer une saucisse, mais pas une saucisse d'homme, là, juste une saucisse, là, un hot dog. Ça, le monde, ça les a mis en émoi. C'est quand même... C'est every. C'est ouais, every. Non, non. Mais moi, un moment donné, je suis sorti de chez nous, OK? Tu sais le voisin, là? Hein? Ouais. Grégoire? Je connais pas, peu importe. Il me dit salut. Là, je la regardais, là, il m'a vu, là, que je l'avais vu me dire salut, puis je lui j'ai regardé ailleurs. J'ai pas dit salut. Mais, il capotait, là, parce qu'il était là comme... Ça me donne envie de dire, mais, arrête, c'est pas drôle ce que tu dis, t'as humilié Grégoire, je le connais pas, j'ai de la peine pour lui. Moi, qu'est-ce que tu fais? Hostie, t'es G, man, un sans-cœur, hostie. Hostie de sans-cœur, t'as invité chez nous, j'ai fait des bagues là-bas. Chris, t'as envoyé ça, donne-moi ça. Ça, là, ça va être à congé, si ça va être à qui? Ça va être au cochon, OK? Ça va être moins vite qu'un hostie de rat que tu fais pas là, Grégoire. C'est qui, Grégoire? Le thème a été écrit par mes fils Antoine et Raphaël. Alors, ça va être une improvisation de nature mixte ayant comme thème « J'aime pas les filles et les zucchinis ».
J'aime pas les filles et les zucchinis. Catégorie libre, donc le joueur illimité, ça va durer 3 minutes. Quoique 30 secondes. C'est quoi qui se passe, Tinsette? Hein? C'est quoi qui se passe, Tinsette? À part comment ça va bien? Ouais, reprends la grippe, pas grand chose, mais qu'on s'en va virer en hausse. C'est du tout bon, on va te dire la fausse. Mais c'est pas des rêves, seulement tout ce qui descend en fond. Ne rend pas de pause, j'allais m'en voir pisser dans la tombe. Donc, non, c'est la tombe fidèle, c'est le reste de ta belle. Ah! Vous avez 3 minutes pour me jouer. J'aime pas les filles, les zucchinis. Au jeu! Vous savez, c'est pas mal mieux que mon petit 3,5 dans ma laine. Oui, c'est bizarre que vous n'ayez pas de mur, hein, mais vous fondez dans la place. Hein? Ça, je fais un bon sac à dos. Déjà, comme une mascotte. En tout cas, ben, j'ai des bons légumes. Je ne sais pas si vous avez regardé le stock. Ouais, ouais. Oh, la belle tomate. Ouais, ça, c'est. C'est bon, c'est bon. C'est plein de licopène. C'est tout le temps bon. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Parler à une fille. À chaque fois que je mets des carottes, il me regarde. Check ce qui m'est arrivé. Ah. C'est le démon, Gérard. Fais attention, Gérard. Madame, attention. Démon, s'il vous plaît. Fais attention. Attention. C'est qui ce taillé-là? Je sais pas, il me suit tout le temps. Hein. Quand j'ai acheté mon sac à dos, il était là. Quand j'ai acheté mon vélo, il était là. Oui, parce que je suis un démon. Parce que je suis une femme. Non, c'est parce qu'il sait. Il sait que j'ai des problèmes avec les femmes, mais j'essaye de régler mon problème. Ouais. Oh my God! Ouais. Hey, fucking zucchini! Ben oui, c'est un zucchini. Ben ça donne bien, c'est sûr que je vais acheter 140 livres, s'il vous plaît. 140. Je sais pas ça, madame! 140 livres de zucchini, c'est rough. C'est rough. Non, c'est ça que je veux. Êtes-vous en formation, vous avez la bombe? Ben, j'essaye de me faire embaucher, mais ils disent mon CV est pas assez bien rempli. Bon, ben 140 livres de zucchini, ça va leur montrer que c'est bon. C'est ta première journée, mon gars, hein? Touche ça! Touche ça! On met la tomate de côté. Oui, mettez la tomate ici. Bon. Là, vous allez voir la madame, vous allez porter les sacs à son auto. Oh, okay. Je me sens femme aujourd'hui. Là. Ça n'a pas de sens. Le soleil, ça me fait rayonner. Achetez pas ça, ils sont pas frais, ces zucchinis-là. Regardez ça! Ça shake comme. Oh, ça, c'est. J'aime ça quand ça shake de même. Mais ça... c'est pas bon, c'est bon quand. Je sais pas quand c'est bon, zucchini, j'aime ça! Les allusions vulgaires dans mon kiosque. Ouais, s'il vous plaît. Non, c'est bon goût, ça fait une bonne soupe au gourgade. C'est bon. Et zucchini. Bon, ben là, si vous voulez pas, c'est vrai, je vais aller ailleurs parce qu'il y en a plein des kiosques à zucchini. Zucchini plus, zucchini 1, 2, 3, zucchini 2000. Et je suis pas. Ah! Zucchini 2000! Zucchini 2000! Hé, le joueur! Ouais, je suis désolée. Moi, je t'ai fait un. Tu t'as mis ton lit en arrière de mon kiosque, là? Tu veux-tu que je mette des tomates dessus? Et voilà 25 000 $ pour ces 140 livres de zucchini. Ouais, oh, c'est bien cher, ces zucchini. Ça vaut d'or. Ce sont 5 piastres du panier, ça, de la 30 livres. Je pense qu'on est mal. Go. T'as mis en marche. Écoute au numéro 7 de la liste. C'est une improvisation de nature comparée qui n'a pas de terme, qui va de catégorie soutien musical, nombre de joueurs illimité, et ça va durer 3 minutes par improvisation. Je ne vous donne pas de temps, je vais vous faire écouter des extraits, puis l'extrait que vous choisissez, ça va être l'inspiration pour votre écriture. Parfait. Ils ont le droit de parler par-dessus la musique, ils ont le droit d'utiliser les micros, et la musique, elle joue en continu de la première seconde de l'impro jusqu'à la dernière. Je vais demander à M. le DJ de nous faire écouter deux petits extraits,
Et ensuite, on va faire juste un flip de pop pour celle-là pour choisir. C'est beau. Et deuxième extra. C'est bon. La pièce sonore que vous voulez pour commencer l'improvisation. D'accord? Donc, rousse, brune, rousse. Alors, on va prendre la deuxième trame. La deuxième trame, vous avez la première, caucus, 30 secondes. Ben vous pouvez faire les deux dans le fond. Vous pouvez gérer le volume du DJ si vous le désirez par la voix haute, sinon utilisez les micros, on vous entend mieux. Okay. Donc 3 minutes, bougez. Ha 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 ha!
Improvisation de nature mixte, de catégorie vidéo et bande annonce. Donc, de joueurs 3 par équipe et ça va durer 4 minutes. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est comme une vidéo way. Donc, 3 postes, sauf que ça va être des postes qui passent des bandes annonces de films sans arrêt et je vais leur donner des styles de films dans chacun de ces postes-là. D'accord? Donc, ici en avant, on va avoir des films d'action, toutes sortes de films d'action. Là, dans le fond, on va avoir toutes sortes de films romantiques. Des romances, et dans le coin-là, c'est juste des drames historiques. Parfait. Donc, on m'envoie immédiatement 3 joueurs par équipe sur l'imposoir pour que vous puissiez faire des caucus mixtes. Pour le favor. Ah, on revient ici, puis quelqu'un en avant, quelqu'un d'autre, caucus. Si vous payez, on commence avec 4 minutes, film d'action.
Il est de retour. Le fameux inspecteur du film Inspecteur 1. Stop! Je vais vous avoir. Insatiable. Des questions qui tuent. Mais pas seulement ça. Des juillets! De l'action! Des juillets! Des gros titres! Ouskov! Quel est votre mot préféré? Il n'a pas perdu la main. Retrouvez le démon d'Od dans un cinéma près de chez vous! Une histoire d'amour inattendue. Ding dong! Ah, ma pizza, enfin! Rentrez, je veux dire. Mais c'est du Tyson que vous aviez commandé? Ouais, du Tyson à pizza. C'est pas la commande que j'ai, par exemple, mais je vais quand même rester. Avez-vous faim? Oui. J'ai deux fourchettes. Aïe, aïe. Femme historique. L'amour qui dépasse les limites du nazisme. Histoire vraie. Je suis désolé, Marie. Je suis désolée de voir faire une ça. Vous êtes si méchant et je vous aime tant. Je vous aime, Marie-Même. Je suis marquée de la croix maléfique. Je vais écrire un journal sur notre histoire et le lancer. Peut-être que quelqu'un le trouvera et en fera une histoire magnifique. Merci, Marie. 12 mai 1944, mes cheveux ne repoussent pas. Action! Attrape mon fils. Ah, je t'aime tellement beaucoup. Je t'aime aussi, mon fils. Léo, je suis de retour du boulot. Où es-tu? Léo! Léo, j'ai tout fait pour ton retour. Et vous n'êtes pas le Léo! Ah, le Slavgob! Votre fils est dans le placard avec une bombe! Je vous souhaite de rencontrer l'inspecteur un jour! Vas-y, mon amour, tu peux te rendre jusqu'ici! Penses-tu? C'est correct, t'as un harnais. Jamais j'aurais cru que de arbre en arbre pouvait être aussi romantique. Approche-toi puis mets-toi à côté de moi, on va pouvoir s'embrasser au sommet de cette île. Peut-être qu'avec ton amour, je vais pouvoir traverser la Tyrolienne en faisant confiance. Même temps. Au 17e siècle, peu de gens savaient que Louis XIV volait des perruques. Paysanne, m'avez-vous amené ce fil chevelu? Non, monsieur, c'était votre repas! Le roi peut tout faire! Vous êtes vraiment un horrible roi! Comment me va-t-elle, Gueusanne? Plutôt bien, je dois l'avouer, mais vous êtes un horrible roi! Et cela se saura pour les siècles à venir! Un hiver, on se souviendra de moi comme l'homme ayant le plus beau cuir chevelu! Peut-être? Action! Police! Tout le monde les met en l'air! Brûlez cette sorcière! Brûlez-la! Sorcière! J'ai rien fait! Je suis pas une sorcière! Non! Mets le feu à cette paille! Non, s'il vous plaît! Vous avez donc bien des beaux yeux! Je peux pas mettre le feu à autant de beaux yeux. Peu de gens connaissent la vérité derrière le drame qu'est la mort de John F. Kennedy. Hello, my good fellow American. Hello. How is this gun working? Damn. I hope I... I should run now. We'll be right back.
match à côté. Alors, ça va être une improvisation de nature comparée, qui rend compte d'un secret à l'autre. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer une seule minute, caucus 30 secondes. Spike, vous avez une minute pour me jouer d'un secret à l'autre. Au jeu. Let's go.
On vous présente ici une culture de céleri sauvage qu'on appelle aussi l'ivèche officinale, l'ivèche échappée de culture. Donc, l'outil nécessaire, c'est la pelle. Donc, la partie récoltée, c'est la racine. Donc, on peut vous montrer un petit peu la plante, de quoi qu'elle a de l'air. Ah, ça sent vraiment bon. Ça a de l'air d'un plein de céleri, voyez-vous, avec des tiges plus petites, les feuilles qui ressemblent à celles du céleri. Donc moi, j'ai durant l'été, j'ai coupé les fleurs pour vraiment concentrer la masse des racines, le volume des racines. Les racines de cette grosseur-là, c'est les plus belles. Puis toutes ces racines-là, quand même, plus petites un peu, ça va tout être séché pour faire des épices. Donc ça, c'est vraiment un beau morceau. Puis là, ben, j'ai pas tout enlevé quand même, là. Donc, tu vois, ça, c'est une racine de 2 ans. Puis de 3 ans, elle sera encore beaucoup plus volumineuse. Donc, plus tu la laisses longtemps en terre, plus ça fait des racines, des grosses racines, des racines payantes et tout. Donc, elle est dans l'argile. Donc, ce qu'il faut faire, on la lave après ça. C'est lavage de racines avec une laveuse sous pression, qui est l'idéal. La plante se complète très bien dans des sols argileux. Elle pousse très très bien dans ces types de sols-là. Quoique, elle peut pousser dans plusieurs types de sols, sauf qu'elle ne deviendra jamais aussi belle que dans les sols argileux. La hauteur de la plante, tu vois, là, elle est en culture biologique, mais à l'état sauvage, elle peut être plus grande que moi, là, facilement. Donc, 2 mètres, 2 mètres et quelques. Donc, c'est très très grand. Ça devient très grand. Quand la plante est en culture, ben toute la partie est récoltée. Toutes les racines sont récoltées. Cependant, à l'état sauvage, on va récolter... souvent, c'est des plants, moi, que je trouve, de 10-15 ans. Donc, on récolte 2 à 3 racines sur 6 grosses racines pivotantes. Là. Des grosses, grosses racines, là, quasiment des bras de pieux. Là. C'est très gros. Donc, puis confondu avec d'autres espèces, pas vraiment. Là. Tu sais, à l'état sauvage, ça donne des fleurs jaunes. Ce qui est caractéristique, il n'y a pas d'autres ombellifères ici dans la région qui donnent des fleurs jaunes comme le céleri sauvage. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle. Et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez lejeudoitresterunjeu.com. Chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes. Luttons contre l'homophobie. Le projet en cours, c'est la mise en valeur de la réserve naturelle des Montagnes Vertes. C'est un territoire qui est très grand. On y retrouve près de 5000 hectares, ce qui en fait le plus grand territoire privé protégé à l'est de la Saskatchewan. Il y a d'abord eu une grande mobilisation d'un paquet d'intervenants pour arriver à appliquer un statut de conservation sur ce territoire-là, de la municipalité aux organismes de conservation, à la population. S'il n'y avait pas eu le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, je pense pas qu'on aurait pu aller de l'avant avec le projet. Orignal, cerf de Virginie, ours noir, coyote, lynx roux. On a beaucoup de rapaces, la chouette rayée, le grand-duc d'Amérique, la buse à queue rousse et la buse à épaulette. On retrouve une trentaine d'écosystèmes différents, que ce soit des forêts alpines, milieux humides, de forêts mixtes. Comme le dit le statut, c'est une réserve naturelle, elle est protégée à tout jamais.